Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo du dimanche que vous attendez toujours, c'est le journal créatif de la semaine. Alors moi je vous filme la vidéo bien sûr le samedi soir, mais vous la voyez le dimanche. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, journal créatif, je vous montre tout ce que j'ai fait cette semaine en créatif. Voilà, donc de la broderie, du tricot, du crochet, du coloriage ou autre chose, pourquoi pas. Donc voilà, la semaine dernière on a, alors je me fais toujours une petite wish list des choses que j'ai à faire, enfin que j'ai envie de faire. Donc je vais vous dire ce que j'avais prévu et après on va voir si j'ai réussi à tout faire. Alors je devais faire ma broderie, de la broderie carotte, le sale de Duran Jones, le sale du calendrier de l'Avent, le sale mystère de Sabine, la broderie que je fais en duo avec Céline sur les fleurs, ma broderie météo de jardin privé, ma broderie grenouille de Sabine, la broderie Dragon Book, Dragon White Book plus exactement, la broderie du cheval et ma broderie estampée du dimanche. Et en tricot, ben, le pull de chouchou, mon pull camionneur et mon pull fil d'art. Pour l'instant, je ne parle pas des chaussettes, je ne l'ai pas encore repris. Et bien sûr, en DP, faire 3 ou 4 cases du DP et faire un DIY sapin. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était prévu. Comme d'habitude, je vais commencer, voilà Fifi qui vient vous dire bonjour, qui me donne des petits coups de boule, hein? Elle me donne des coups de boule. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le diamond painting, puisque c'est ça qui a le moins. Alors, mon DP. C'est toujours bien sûr celui avec les bonhommes de neige. Voilà, donc j'ai fait 4 cases. Alors je ne sais plus lesquelles. Oula, j'ai une perle qui est en train de partir là. Attendez. Non, c'est rien. Allez, remets-toi. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si, celle-là. Et celle-là ici. Celle-ci, ici. Et la quatrième. Je ne sais plus. Ah, si. Là. Ici. Voilà. Donc, j'en ai fait quatre. Donc, vous voyez. Toujours aussi brillant, hein. Maintenant il me reste 4-5, il reste 10 cases, donc je pense, je vais essayer de les terminer en 2 semaines, si je peux, ou sinon du coup ce sera comme fini juste à Noël. Voilà, donc, mais il est beau, hein, j'aime beaucoup. Alors, moi, comme d'habitude, vous avez vu, je vous mets l'image et je vous mets également les chiffres, ou alors c'est dans l'autre sens. Je vous mets les numéros qu'il reste. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de choisir 3 ou 4 cases, plus 4, hein. Oui. Plus 4 cases pour que je sache ce que je dois faire la semaine prochaine. Voilà. Ouais, je pense que en 2 semaines,
Après, 2 semaines, ça fait quand? Une, deux. Ouais, bah, il sera fini pile pour Noël, je pense. Il sera terminé pile pour Noël. Donc voilà. Oh. On va le mettre là. Alors, en diamond painting, je devais faire un sapin. Vous savez, les petits sapins sur plexiglas que j'avais reçus de différentes boutiques. Mais j'ai pas fait ça. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, puisque je vous avais fait une vidéo. J'ai fait un plateau. Oh. J'ai fait un plateau. Voilà. Donc, il y a une plaque de plexi, hein, qui est fournie avec pour protéger. Mais j'ai quand même... je crois que Chouchou m'appelait. Mais j'ai quand même verni le DP, enfin le toutes les perles. Voilà. Il faut que je fasse un petit coup de papier de verre. Alors, moi, je l'ai laissé brut, comme ça. Par contre, si vous le voulez en vernis coloré ou peint, voilà, faites-le avant le montage, bien sûr. Peignez vos pièces avant le montage pour que ce soit plus facile après. Alors, j'avais dit lors de ma vidéo où je vous ai fait le plateau que j'ai galéré donc avec les vis. Donc j'ai remonté l'information à la boutique et eux vont remonter du coup l'information à l'usine qui fabrique ces plateaux. Voilà. Donc j'espère qu'ils mettront après des vis un peu plus grandes pour le montage. Voilà. Parce que ils ont fait des trous là, de ce côté sur les petits, mais sur les grands, il n'y en a pas. Donc il faut faire les trous vous-même, sinon ça va être très très dur à mettre. Voilà. Sinon, il est très joli. Alors moi, je le pose sur ma bibliothèque. Hop, il est posé comme ça. Je vais pas m'en servir comme il y avait qui m'a dit ça. Ouais, Ludovic, on peut s'en servir aussi de vide-poche, pourquoi pas. Mais j'ai peur qu'avec les clés, tout ça, à la longue, ça griffe aussi le plexi. Voilà. Donc voilà, niveau diamond painting, ben, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai déjà pas mal. Maintenant, on attaque la broderie. Alors, la broderie. Je ne l'ai pas pris avec moi. Mais vous avez eu une vidéo également hier ou avant-hier. J'ai monté... Bah, attendez, je vais le chercher. Me revoilà. Oui, vous avez vu en vidéo cette semaine comme quoi j'ai encadré mon mandala. Voilà, donc c'est fait. Le voici. Je trouve super beau. Et en plus, comme ça, avec du noir autour, il ressort très très bien. Alors, je ne l'ai pas encore mis au mur. J'attendais de faire la vidéo, celle-ci aussi. Comme ça, demain, je vais pouvoir le mettre au mur et je serai tranquille. Voilà. Je croyais que j'avais oublié un point, mais non. De toute façon, il aurait été trop tard. Donc voilà, un encadrement de fées. Cette semaine, je ne sais pas quand, mais cette semaine, vous aurez très certainement l'encadrement de mon Black Oak. Voilà, j'ai le cadre, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vais très certainement faire l'encadrement du Black Oak. Je vous le ferai en vidéo également, puisque je n'ai pas eu de cadre carré. C'est le même cadre que celui-ci, donc rectangulaire. Comme ça, vous verrez comment je vais faire. Ensuite.
suite. Est-ce que je l'ai mis? Oui. Alors, depuis que je vous en parle, ça fait quand même plusieurs semaines que je vous le dis, que je vais le ressortir. Et je ne l'avais toujours pas ressorti, mais là, ça y est, je l'ai réattaqué. Bon, ce n'est pas énorme, mais j'ai remis mes aiguilles dessus. Voilà. Bon, je vous mets la photo hein, en même temps de la grille, parce que vous allez vous demander ce que c'est. Donc, c'est mon Dragon White Book. Voilà. Donc, je l'ai repris. Bon, il est super agréable à faire. Hein, voilà. Bon, vous allez me dire, j'ai pas fait grand chose, mais voilà. Alors, j'ai pas fait grand chose parce que je n'arrive pas. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a des grilles que du premier coup, j'arrive à les mettre sur mon pattern keeper, mais il y en a pas moyen. Et celle-là en fait partie. Alors que j'ai des grilles de cette alors c'est qui la designer Svetlana Shishkar, et j'ai donc des créations, voilà, je vais y arriver, d'elle sur mon pattern keeper, et il y en a des fois j'arrive pas à les rentrer. J'y arriverai. Alors du coup, ça avance moins vite parce que je suis sur mon patron papier et c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que bon, ben j'ai plus une vue de 20 ans. Et du coup, c'est un peu plus difficile pour moi de suivre sur papier maintenant. Voilà. Mais je suis contente, ça y est, je l'ai repris. Donc, on va s'y remettre un petit peu à la fois. En plus, il n'est pas grand, hein. Est-ce que j'ai la taille sur le papier ? Oui, alors il fait bon, presque 17 sur 16,5. Bon, on va dire 17 sur 17 cm. Donc, vous voyez, c'est vraiment le petit truc. Voilà, ça devrait aller vite. Si une fois que j'aurai réussi à le mettre sur mon pattern keeper, je crois que là ça ira beaucoup plus vite. Mais je suis contente, je l'ai repris enfin. Alors, hop, j'essaie de le refermer. Je n'aime plus les pochettes Action. Ça m'énerve. Je crois que d'ailleurs, je vais faire bientôt un tri de toutes mes pochettes. Il y en a que je vais garder. Elles ne sont pas abîmées. Hein. Donc, je vais très certainement les mettre sur ma... Comment ? Sur mon groupe, le vide atelier. Voilà. Comme ça, bon, ça, on les paye quoi, 44 centimes. Je les mettrai à moitié prix et puis c'est bon. Alors, aujourd'hui, j'ai fait ma grenouille. J'ai fait ma grenouille. Alors, attendez, parce qu'il y a plein de fils qui se baladent. J'avais une aiguille dans le temps. J'ai mis où? Attendez, j'ai perdu mon aiguille. Ah, oh, c'est pas vrai. Bon, elle doit sûrement être dans la pochette. Ah, je crois que je l'ai senti. Oui, je l'ai senti. Voilà, ça y est. J'arrive. Hein. Je vais la piquer dans la toile. Comme ça. Allez. Oh là là. Voilà. Donc, voilà ma grenouille. T'as de beaux yeux, tu sais. Regardez, on commence à voir son œil. Donc, le modèle, c'est le même que l'aimant à aiguille. Hein. Voilà. Non, mais très sympa à faire. Cet après-midi, donc j'ai fait ça. Alors, je l'ai fait d'une traite. Hein. J'ai fait toute cette partie-là. Voilà, tout ça ici. Mais alors, vraiment, ça a glissé.
J'ai pas eu d'erreur. J'ai eu qu'une ancienne erreur que j'ai démontée, que j'ai refait du coup. C'était ici, quelque part. Voilà, je m'étais trompée là. J'avais décalé d'une croix, donc je l'ai démontée, je l'ai refait. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir ressorti aussi ma grenouille. Alors ça, la grenouille, c'est une création de Sabine, donc de la boutique Poussière d'étoiles. Vous retrouvez la grille de cette création. Vous la retrouvez dans sa boutique. Et en parlant de Sabine, je serai vous si vous ne l'avez pas encore vue. Tous les matins, vous savez que je vous mets une vidéo pour le calendrier de l'Avent. Je serai vous, j'irai bien regarder celle d'aujourd'hui. J'en dis pas plus. Alors, ensuite. Ah, ici. Alors, ici, j'étais bien partie aussi. Et je me suis aperçue que j'ai fait une petite erreur. J'ai arrêté, j'ai demandé sur le groupe, parce que je ne trouvais pas l'erreur, si quelqu'un pouvait regarder où j'avais fait l'erreur. Donc là, ça y est, on me l'a dit. Donc demain, je pense que je démontrerai le petit bout que je me suis trompée. Voilà, donc c'est la salle de Durand Jones. Donc je suis en train de faire cette case-là. Et donc vous voyez là, j'ai trop de blanc là, voilà. Donc j'ai un décalage ici quelque part, je ne sais plus où exactement. Donc il va falloir que je démonte cette partie là bleue. Bon, il n'y a pas grand chose hein, donc ça va aller vite, le refaire et puis continuer. C'est dommage parce que j'étais bien partie aussi dessus. Et voilà. Ça arrive, hein. Quelle est la brodeuse qui ne fait pas d'erreur sur son travail? Levez la main. Alors là, dans celui-là, ça va être, c'est le sapin, donc il y a des petites bougies dedans avec une croix qui représente la flamme de la bougie. Je vais le faire en fil étoile, voilà. Un fil étoile jaune pour bon, je sais pas si ça brillera beaucoup, mais bon, on verra bien. Donc voilà. Bon, lui, franchement, il sera pas fini pour Noël, hein. Mais bon, ça fait rien, c'est pas grave. Ensuite, oui. Ça sent la fin, hein. Encore 3 semaines, c'est ça, 3 bonnes semaines. Alors là, je l'ai enlevé du tambour pour bien vous le montrer. Je remettrai sur son tambour cette semaine quand je continuerai de le broder. Voilà. Ma broderie météo de chez Jardin Privé. Alors, d'habitude, le samedi, le dimanche, quand je vous fais la vidéo, je l'ai déjà brodée. Là, cette fois-ci, non. Parce que... on sait rien. Parce qu'on a ici... Alors, attendez. Je vais baisser un peu. Parce que, voilà. On a ici, vous voyez, le petit panneau de signalisation. Moi, je dis ça comme ça. Et on recommence les fleurs ici. Donc, il fallait absolument que je fasse le panneau de signalisation avant de continuer mes fleurs. Vous voyez, les fleurs, il n'y a plus grand-chose à mettre. Est-ce que j'ai le papier là? Il me reste 3 fleurs. Voilà, je n'ai plus que 3 fleurs à broder. Donc, c'est bien ça, c'est 3 semaines. Finir le panneau de signalisation, là. Faire le petit arrosoir, le petit écureuil. Et ça, je vous ai dit que moi, je n'allais pas le faire. J'allais certainement faire autre chose, mais bon, on verra.
On verra ce que je fais. J'ai pas encore décidé. Donc, vous voyez, il n'y a plus que trois fleurs à faire. Donc, là, ça y est, ça commence à sentir la fin. Je suis contente. Il est chouette, hein? Bon, je suis dans le nord, hein, donc on n'a pas de grosse chaleur hein, chez nous, mais voilà. Bon, après, je verrai comment je vais l'encadrer. Ça, je vous l'avais déjà dit. Je ne sais pas encore comment. Alors, dans le panneau de signalisation, donc j'ai décidé, là, ça marque projet météo, mais on peut mettre le nom de sa... Oh, pardon. On peut mettre le nom de sa ville, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, on marque ce qu'on veut. Et donc, ma première idée est restée celle que je vais faire, c'est-à-dire que je vais marquer jardin météo. Voilà. Donc ici, voilà, dans le panneau, ce sera noté jardin météo. Je n'ai pas envie de marquer ma ville. Bon, je sais bien où j'habite, hein, donc voilà. Et je cherche toujours ce que je vais mettre là. Vous voyez, ici, là. Je cherche toujours ce que je vais mettre. Mais je ne sais pas encore. Un petit arbre, un genre de petit pommier peut-être, pourquoi pas, ou je sais pas, je sais vraiment pas, mais bon, on verra. Alors, il n'est pas fini, fini, puisque moi je vous avais dit, hein, moi j'ai rajouté dans le milieu des fleurs des petites perles, et donc la ligne en bas ici, il n'y a pas les perles, il n'y a pas non plus. Où est-ce que j'en ai un? Ici. Voilà. Chaque début de mois, il y a un petit papillon. Tous les moines n'ont pas encore leur papillon. Donc, il faut que je brode des petits papillons. C'est du plus, hein, ce n'est pas dans dans la création. Et je n'ai pas encore brodé non plus pour les fêtes. Donc, je vous avais dit. Donc, 14 juillet, ça avait été fait. Peut-être la rentrée scolaire, peut-être faire un petit cartable pour la rentrée scolaire, mais je ne suis pas sûre la rentrée scolaire. Moi, j'ai plus d'enfants qui vont à l'école, à part mes petits-enfants. Après, qu'est-ce qu'on avait comme fête? Dans la rentrée scolaire, Halloween, oui, Halloween. Du coup, la Toussaint, je me demandais si j'allais mettre quelque chose, mais non, je ne vais rien mettre. Puisqu'il y aura Halloween, et puis du coup, ça ferait deux mini broderies l'une à côté de l'autre. Et non. Donc, bon, je sais bien que si c'est Halloween, le lendemain, c'est la Toussaint. Et après, alors il y a Saint-Nicolas. Nous, dans le Nord, on fait Saint-Nicolas. Je pourrais faire Saint-Nicolas, mais. Je ne sais pas ce que je pourrais faire comme petit, vraiment. En plus, c'est une mini broderie là, pour dire de. Oh, comment? Pour représenter Saint-Nicolas. J'ai aussi. Alors, là, je l'avais fait, mais est-ce que je l'ai fait aux autres? Là, j'avais fait Saint-Valentin, Pâques. 1er avril, le 1er mai, là j'ai un point qui s'en va. 1er mai, 1er mai, 1er mai, j'avais fait l'été. Alors du coup j'ai fait l'été mais j'ai pas noté le printemps, donc il faut que je note le printemps. Bah, je vais refaire une petite fleur là, mais une toute petite. L'automne, voilà, il faut que je marque l'automne et l'hiver. Et après, il faudra que je marque donc ah, 1er janvier, j'ai rien mis. Je sais pas ce que je vais mettre au 1er janvier, parce que là, du coup, j'ai pas envie de mettre un papillon. 1er janvier, un cotillon, je sais pas. Bon, Noël, ça va.
Et il faut que je marque l'hiver. Ouais. Et après, il y aura le 31 décembre. Ouais, c'est plus le 31 décembre que ce serait cotillon. Je sais pas. Ah, mais si, le printemps, je l'ai mis. J'ai fait un P. Ah, bah alors, voilà. Comme j'ai fait un P pour le printemps, bah, je vais faire un A pour l'automne et un H pour l'hiver. Il n'y a que l'été où j'ai fait un soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est rien. Je vais laisser le soleil. C'est pas grave. Ouais, mais je vais faire ça. Ouais, je n'avais pas vu que j'avais mis un P. Là, bon, les perles, ça va très très vite à faire. En 10 minutes, mes perles sont brodées. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en passant, j'en ai 9 à faire sur ma ligne. Donc cela, je vais les faire enfin, tout de suite cette semaine. Et donc, il me restera 3 fleurs. Donc, 3 fleurs. Bah, ça me fera 3 perles. Donc là, en 5 minutes, ça va être fait. Voilà. Non, mais c'est bon. Cette semaine, je vais essayer de faire le maximum de tous les petits bouibouis que j'ai rajoutés et qui ne sont pas faits. Et comme ça, il ne me restera que les 3 fleurs. Je vais essayer de faire aussi le petit arrosoir. Voilà. Il y a encore un truc à côté de l'arrosoir. Je crois que c'est une fleur ou je sais pas. Ouais, ça doit être une fleur. Ouais, parce que là en bas, oui, on voyait pas bien, mais ici en bas, on a de l'herbe, des fleurs. Et là, juste là, ici, on voit pas bien là, mais il y a une fleur, une petite mini mini fleur. Voilà. Donc ouais, c'est bon. Donc ça me fait alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah oui, il va manquer 2 pétales. Ouais, donc, alors, 3, 3, 6. Alors, voyez, nous, la dernière, parce que là, c'est le broderie météo, mais de l'année dernière, de jardin privé. Donc, il faut qu'on l'adapte à cette semaine, à cette année. Donc, là, vous voyez, il n'y a que 6 pétales, la dernière. Donc, on va en faire 7, mais il manque encore un pétale. Alors, je vais peut-être le faire qu'il s'envole. Oui, il s'envole vers l'année 2024. Ouais. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je laisse un message sur le groupe pour ça. Pour pas que les filles oublient qu'il va manquer un pétale. Voilà. Pose pipi toutou. J'arrive. Voilà, la pause pipi est terminée. Oh là là, c'est le boxon dehors. Je vous en ai déjà parlé, hein, une voisine que j'ai au-dessus, qui est complètement... parce qu'elle a peu à La musique est à fond. À fond, à fond. Heureusement qu'on nous a changé. Ben, ça prouve que ça vont bien les fenêtres, tout ça maintenant. C'est que là, maintenant, dans la maison, j'entends pas. Mais si j'ouvre la porte, c'est à fond. En plus, maintenant, ça y est, j'ai des nouveaux voisins. Super gentils. Hein, voilà. Et la dame a accouché le jour du déménagement. Donc, il y a un tout petit bébé là. Et la folle de Chaillot, elle met sa musique à fond. Enfin. Bon. Est-ce que dans ce sac-là, je vous ai tout montré? Oui. Ça, non. Oui. Dans ce sac-là, c'est bon.
on va le mettre là. Deuxième sac. Alors, celle-là, c'est quoi? Voilà, ici. Mes petites carottes. Oh là là, les points, ils ont encore sorti une nouvelle grille. Trop, trop belle. Regardez ça. Elle est trop belle. Et ce mois-ci, faut que j'attende d'avoir vous savez, que tous les prélèvements soient passés, tout ça. Et puis que j'ai envoyé aussi tous les colis. donc, ce mois-ci, je pense que je ne pourrai pas me l'acheter. Mais j'ai envie de celle-là, celle du chocolat chaud. J'ai envie de la ronron thérapie. Et la confiture de cassis, je crois, l'avant-dernière. Voilà. Pas celle de Noël. Hein. Mais bon, faut que j'attends. Bon, on dirait que c'est pas cher. Hein. C'est 11 euros. Mais faut que j'attende. En plus, on les a que sur l'univers broderie. C'est dommage. Enfin, on les a chez Univers Broderie. Et on les a aussi chez Casa Senina. Mais je commande jamais chez eux. Où il faudrait vraiment que ce soit un truc qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce que c'est comme... Bien fini. Je faisais son ménage. Oh là là, je suis en train de vous donner le tournis. Alors, il fait le ménage là, mais il est reparti dans l'autre panier. Oh mon Dieu. Il faut avoir une patience pire que des gosses. Alors, mon. Oui, du coup, je disais, bon, c'est pas très cher, c'est 11 euros. Mais voilà. Bon, il faudrait que Papa Noël. Mes cheveux, ils commencent à m'embêter. Hein. Il faudrait que Papa Noël y passe, mais bon, nous, à la maison, il n'y a pas de Papa Noël. donc, voilà. J'ai avancé mes carottes. Bon, pas comme j'avais dit. Hein. J'ai pas réussi à terminer mon Vichy. Mais il est avancé quand même. Voilà. Bon, je les aime toujours autant, hein, mes carottes. Elles sont trop, trop belles. Bon, faites pas attention, ma toile, je l'ai mise un peu bancale. Ça y est, il faudra que je l'enlève du quick snap et puis je vais la remettre bien. Ouais, j'aime toujours autant. De toute façon, les points, c'est vraiment des très jolis. C'est simple, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point nœud, voilà, il n'y a rien. C'est toujours... des broderies très simples. Voilà. Oui, je sais, il y a du bruit dehors. Viens, maman. Viens faire dodo. Attends, je vais bien mettre ta couverture. Voilà. Viens, viens avec maman. Pacha. Tu ne t'inquiète pas du bruit dehors. C'est la fofolle. Allez. Voilà. Il était inquiet. Il entendait le bruit. Voilà. Donc là, sur celle-là, ben, je vais continuer mon Vichy. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, ça c'est quoi? Oui. Ouais, non, je ne voulais pas montrer la semaine dernière. Non, non. Je crois pas. Je réfléchis. Non. Hop. Alors, c'est le sale de Julia Rose Cocon. Donc, le All Forest. Le Punky Color Automne, je crois que ça s'appelle. Pour une fois, je me suis rappelé du nom. Voilà, j'ai terminé
la maison citrouille là, voilà la grosse maison citrouille. Donc c'est la plus grosse partie de la broderie, hein. Donc tranquille, ça y est, elle est faite. Donc j'ai fait, alors combien de points? J'ai oublié de le noter, puisque avec Julia, on doit faire 1000 points. Ah, je ne l'ai pas dit. C'est quoi ça? Oh, je fous du chocolat partout. Je vais vous montrer après pourquoi je dis ça. Je ne vous ai pas dit non plus pour la grenouille. Ça y est, je vais vous le dire. Alors. Ben, la grenouille, elle est là. Alors, la grenouille, aujourd'hui, j'ai fait 328 points. Voilà. En tout, il y en a eu 1873 de faits, soit 19% 95. Bon, presque 20% de faits sur cette broderie. Et j'ai terminé une couleur complète. Voilà. Alors, celle de Julia, elle est là. Alors, Julia, ah ben oui, c'est plus... je crois que j'avais fait 300... Non, 425, je crois. Oui, 425 croix, j'ai fait sur une seule fois. Donc là, je suis à 27% 54 sur la totalité. Donc, ce mois-ci... Non, j'ai fait 477. Voilà, on va y arriver. J'ai fait 477 croix ce mois-ci. Voilà. Donc, il me reste un petit peu plus de la moitié à faire d'ici la fin du mois. Donc, c'est bon, ce sera fait. Voilà. Hop, on repose. Donc, mais très agréable à faire. Hein. Je l'aime beaucoup. Là, je la fais sur une étamine 14 fils. Voilà. Donc, c'est assez... C'est très fin, hein, voyez. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Après, avant de vous montrer les tricots, je vous parlerai de ce qui va être mis en place ici pour le 1er janvier. Mais je referai des vidéos spécifiques cette semaine. Pour tout expliquer en détail, voilà. Alors, le calendrier de l'Avent. Bon, lui à Noël, il sera pas fini. Hein, ça, c'est là, c'est sûr et certain. Hein, on finira pour l'année prochaine. Hein, c'est pas grave. voilà ce que j'ai fait. Le petit bonnet ici. Voilà, j'ai fait le petit bonnet. Donc là, il me reste. Deux flocons, je crois, un ou deux flocons à broder, et de toute façon, les numéros, ça je vais les broder après à la fin. Voilà, là vous voyez, dans les autres cases, le seul numéro qui a été mis, c'est ici. Là, ça, il n'y en a aucun qui a été mis pour l'instant. Je cherche tout le temps un truc que j'ai envie de mettre, mais je ne trouve pas pour l'instant, donc c'est pour ça. Les numéros, je les mets en stand-by. Donc voilà, la pâte et chapeau. Oui, c'était facile à faire. Hein. Je l'ai fait d'une traite. J'ai pas eu d'erreur. Si, une croix que j'ai enlevée tout de suite, que j'ai refait. Mais sinon, voilà, il était très très simple à faire. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que vous voyez là, la bande, il y a du jaune pâle et du blanc. Ils auraient dû mettre une autre couleur un peu plus tranchante, mais bon, parce qu'on voit pas beaucoup. Il y a un motif normalement dedans. Et même moi, en le regardant comme ça, je ne vois plus le motif. Mais bon, tant pis. Alors, moi, après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oh, je ne l'ai pas barré. Donc le bonnet est fait, voilà, et l'étoile. Donc la fois prochaine, je vais faire la petite voiture ici.
Voilà, je vais faire cette petite voiture-là. Alors, moi, ils ne sont pas faits dans l'ordre. Hein. Sur mon groupe, je mets dans l'ordre pour les filles qui font le sale. Mais moi, comme j'ai pris beaucoup de retard, je ne suis pas du tout dans l'ordre. Ou alors, à moins que je fais la. C'est combien ça? Ça, c'est le 19. Ou le petit renette? Ou je fais un petit renette? Peut-être. Alors, je vais faire soit la voiture, soit le renard. Oui, là, le petit renard. Alors, soit ça ou soit ça. Je verrai mon humeur. Donc, je verrai bien. Sinon, il est agréable à faire. Hein. Donc, ça, c'est pareil. C'est une toile étamine. C'est du 12 fils et demi bleu canard que j'ai eu à la maison du canevas. J'essaye de rentrer deux trucs en même temps, ça va pas. Voilà. Donc celui-là, bah, il avance, hein, case par case. Mais je vous dis, il ne sera pas terminé pour Noël. Hein. C'est pas très grave. Sinon, après, je le remettrai sur. Sinon, je vais le broder jusqu'à Noël déjà. Peut-être même jusqu'à Nouvel An. Et après, suivant ce que j'aurais fait, peut-être que je le remettrai de côté un petit peu. Et je le ressortirai après pour le finir pour le Noël prochain. Je verrai, je verrai. Alors, est-ce que là, je vous ai tout montré? Ça, j'ai vu, j'ai montré. Oui. Alors, je n'ai pas fait du tout cette semaine le sale mystère de Sabine. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'ai fait comme j'ai pu. Mais voilà, donc le sale mystère, il n'est pas fait. Ah oui, celle-là, je dois montrer. Mais bon, c'est pas grave, j'en ferai cette semaine. Ici, je sais plus si je vous avais montré le début ou pas. Donc, c'est la deuxième fleur que je fais du coup. C'est la deuxième, c'est oui, la deuxième sur 8 que je fais en duo avec Céline. Voilà où j'en suis. Donc, tout le feuillage est fait. Là, j'ai attaqué le cœur des fleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, mais tout le feuillage est fait. J'ai même commencé à faire le point arrière autour du feuillage. Donc bon, là c'est pareil, hein, il faut que ce soit fini pour la fin du mois, donc ce sera terminé, hein, voyez. Bon, il y a des fils tirés, hein, mais ça on s'en fout. Comme j'ai déjà dit, de toute façon, une fois que c'est encadré, il n'y a personne qui le voit. Hein. Et puis même s'il y a quelqu'un qui le verrait, t'as qu'à le faire toi-même. Hein. Non, voilà. Donc là, c'est du 14 CT. C'est des petites broderies. Hein. Voilà, la dernière fois, vous avez vu que j'avais encadré la première. Donc voilà. Moi, j'aime bien ça. Petite récréation. Hop. Allez. Bon, elle ne veut pas rentrer dedans. Non, mais. Donc là, j'ai déjà fini plusieurs couleurs sur celui-là. Bah, déjà tous les verts, tout ce qui est vert, j'ai fini ces couleurs-là. Donc ça va. Alors, niveau broderie. Alors, je vous avais dit que j'allais peut-être laisser de côté ma broderie du dimanche pour en prendre une autre. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Hein. Bon, là, je ne l'ai pas fait dimanche, je l'ai fait hier. Mais je voulais absolument la commencer. Donc, c'est celle-ci, vous avez adoré. Beaucoup d'entre vous l'ont aimée. Et plusieurs d'entre vous l'ont commandée dès que j'ai montré, j'ai fait la vidéo unboxing. C'est celle-ci. Voilà. Donc, ce n'est que du bloc. Il n'y a que du bloc. Pas de point arrière, pas de demi-point, pas rien. Bloc, bloc,
bloc. Je vous la remontre. Je remonte les couleurs après. Voilà. On ne peut pas plus bloc. Et elle est trop bien. Alors, moi, je l'ai déjà commencé. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, attendez, je vais le plier pour vous montrer mieux. Voilà. Ici, ce qui est orange, là. Voilà. Alors, là, pour faire cette partie-là, j'ai utilisé un fil complet, donc c'est-à-dire un fil avec 6 brins. Voilà. Mais que du bloc. Alors là, les broderies estampées, je ne les mets pas avec un tambour, un quick-snap. Je travaille à la main comme ça, et puis sur le dessus. Je travaille sur le dessus. Je fais mes premières demi-croix. Je travaille par demi-croix. Donc, demi-croix, je remonte, je referme ma croix, je redescends, je fais une demi-croix, je remonte, je ferme mes croix. Voilà, je travaille comme ça sur l'estampé. Je ne mets pas du tout de quick-snap ni rien du tout. Là, il faut que ça aille vite, il faut que ça dépote. Voilà. Et c'est ce que je préfère quand je fais de l'estampé comme ça. Voilà, vous voyez, on le voit là. Et là, c'est de la demi-croix là aussi. Donc, bon, là c'est parce que mon fil était arrêté. Donc, après, je vais remonter pour fermer mes croix. Voilà, et toujours dans le même sens, c'est ce que je vous disais hein, sur quelle vidéo je vous ai dit ça. Sur une vidéo unboxing, donc voilà, toujours dans le même sens. Voilà, donc ce qui fait que ma broderie va toujours être brodée, voilà, comme ça, des lignes de haut en bas, pour qu'il n'y ait aucune démarcation. De toute façon, je profiterai de cette broderie là très certainement pour vous expliquer comment broder des blocs comme ça sans qu'il y ait de démarcation sur votre broderie. Voilà. Mais déjà, ce petit début me plaît beaucoup. Alors, je vous remontre les couleurs. Voilà. Hop. Regardez. Voilà. Du orange, du blanc, ça c'est du noir, c'est ça? Attendez. Non, c'est du 939. Là, avec la lumière là, je vois pas bien, mais c'est le 939. Alors, donc les orange, blanc, gris. Voilà. Donc, c'est beaucoup. Je vais me régaler à la faire. Et je crois que celle-là, je vais pas la. Enfin, toucher du singe. Je pense que je ne la poserai pas, je la mettrai pas de côté tant qu'elle n'est pas finie. Même si je prends du temps, bon, elle va pas être faite en un mois, hein, ni en 6 mois. Mais je vais la garder jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ah oui, là j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-là. Pourtant c'est de l'estamper, mais je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-là et voilà. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je sais plus où je l'ai eu. Tant pis. Je vous dis ça. Aïe. Je vous dis ça. Alors, non, pas maintenant. Hop. Vidéo, voilà. Alors. Il y a 6 jours que je l'ai eu et je l'ai eu chez Outdoor Tide. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment faire pour qu'il n'y ait pas de démarcation sur vos broderies. Voilà. Et en même temps, là, celle-là, j'essaye de la faire régulière. Je la ressors. J'avais déjà rangé, mais je savais que j'avais oublié de vous dire un truc.
J'essaye de la faire plus régulier possible. Voilà. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de nœud. Et voilà. Il n'y a que là, mais c'est normal. C'est parce que c'est le changement de... Vous voyez, comme il y a... Là, il y en a moins. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est mon derrière. Le derrière de ma broderie. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous montrerai tout ça pour que votre broderie soit le plus régulier possible et que votre dos soit à peu près bien. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir commencé. Bon, du coup, l'autre est un peu de côté pour l'instant. Mais j'ai mal remis mes fils. Mais je la ressortirai peut-être de temps en temps. Hein, voilà, c'est comme mon cheval. Mon cheval, il est encore un peu en stand-by. Mais il faudrait que je me mette dessus parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Il n'y a plus grand-chose à faire hein, sur mon cheval. Je vais vous le remontrer pour celles qui ne connaissent pas. Là, il faut que je me tourne parce que sinon, j'ai très très mal à l'épaule en ce moment. Et si je fais des mouvements qu'il ne faut pas... Voilà. Ça, c'est les estampés. Alors, mon cheval, petit cheval, tu es... Oui, il est là. Donc, ouais, je l'aime beaucoup, celui-là. Regardez-moi ça. Il est trop, trop beau pour un estampé. Donc, j'ai plus grand... Alors, je le monte par derrière. Vous voyez, là, tout le haut. Voilà, ici, à finir. Et après, il me reste des petits bouts par-ci, par-là. Genre, les morts du cheval, ici, ils ne sont pas faits. Il reste des petits points, voilà, à faire. Donc, oui, même là, ici, il y a deux points qui ne sont pas faits. Donc, ça, je vais... J'espère la terminer. Je voudrais qu'elle soit finie pour le printemps. Je suis peut-être... Ah mince, j'ai un fil qui s'est mal mis. Je me fais peut-être des illusions, mais j'aimerais bien qu'elle soit finie pour le printemps, celle-là. Avant, bah, ce serait bien, mais ça m'étonnerait. Vous voyez, quand je tourne comme ça, j'ai mal. J'ai mal dans mon dos. Et donc, voilà. J'aimerais bien que, ouais, au printemps... Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je termine d'abord tous les petits points qui manquent, là. Voilà. Et comme ça, ça une fois que c'est fait, mis à plat, j'ai plus que là à faire. Et puis, voilà. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Quand vous avez des blocs, de broder une croix en quinconce. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas la démarcation. Voilà. Donc, mon petit cheval. Oh, il sera fini. Je vais le finir, hein, c'est sûr. Bon, les autres, je ne les ai pas repris. Et celui-là, du coup, c'est celui que j'ai mis de côté pour le moment. Voilà. Avec un petit lapin. Pour l'instant, elle est de côté. Mais elle est très grande, hein. Vous voyez, alors je vous la montre. Parce que comme je vous fais comme si... Voilà, elle est quand même très grande, hein, comme toile. Vous voyez. Mais c'est une toile partielle. Donc, l'un dans l'autre, elle est grande, mais il n'y a pas tout à broder. Donc, ça va. Voilà. Et ça, les autres, ouais, de toute façon, je vous les ai déjà montrés, mais ah, tiens, des pinces. Ah, bah oui, c'est la pince de mon cheval. Hop.
Je vous les ai déjà montrés les autres, mais voilà. Il n'y a que celle de Noël. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le cheval. Ça c'est le lapin. Et celle-là, ah oui, ça c'est celle de Noël. Mais je l'ai pas encore reprise. Voilà. Je suis toujours au même point. Mais bon. Ce sera pour Noël l'année prochaine maintenant. Voilà. Et la très très grande. Je sais pas si, si elle sera finie un jour. Voilà. La très grande, c'est celle-là. Bon, vous allez dire, à chaque fois, je montre les mêmes choses, mais voilà, la très grande, c'est celle-là. C'est l'égyptienne et sa panthère. Mais là, il y a encore du taf, 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 taf. Là, c'est du plein. Hein. Donc, peut-être que de temps en temps, je ferai des croix dessus. J'en sais rien. Mais on verra. Et là, je ne peux pas dire à ma belle-fille, par exemple, que c'est. Je sais qu'elle me dirait oui, mais je ne peux pas lui dire bah, tiens, tu me l'as fini ou tu la continues. Moi, je brode à l'envers. Elle a le brode à l'endroit. Donc, ça n'irait pas. Oui. Il y a deux possibilités de broder les croix, donc à l'endroit et à l'envers. Le type A et le type B. Moi, je suis du type B. Ce qui fait, c'est que moi, quand je fais mes croix, alors je commence en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Voilà. Par contre, à 90%, les brodeuses brodent à l'endroit, c'est-à-dire c'est le contraire. Donc, gauche-droite, ou droite-gauche, voilà, gauche-droite, et après, gauche-droite, voilà. Bon, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je brode à l'envers. Pourquoi, j'en sais rien, j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Je remets ça tout de suite là. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Niveau broderie, ben, je crois que je vous ai tout montré. Je vérifie. Non, ça, je n'ai toujours pas fait. Alors, ça, par contre, il faudrait que je m'y mette. Je vous l'ai déjà montré. Alors, je l'avais acheté l'année dernière. Enfin, cette année. Non, l'année dernière. Mais pour le faire pour la Saint-Valentin de cette année, de 2023. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette pour que je choule pour la Saint-Valentin 2024. Il n'y a que ça de fait dessus. C'est un tout petit truc, hein, à peine 15 cm sur 15. Donc, il faudrait quand même que je le fais pour l'offrir à Chouchou pour la prochaine Saint-Valentin. C'est dans 2 mois. Ouais. Donc, on verra. Alors, niveau broderie, je crois que je vous ai tout montré, oui. Alors, je vous montre juste 2 achats, mais que je vous montrerai, je ne vais pas vous montrer en détail aujourd'hui. Après, on fera le coloriage et le tricot. Je vais vous faire une vidéo revue de chaque
Je vais essayer de faire ça cette semaine. Donc, c'est parce que là, celui-là, j'attends de voir s'il n'y en a pas un qui ressort cette semaine. On verra. Voilà, c'est l'idéal crochet créatif. Donc, c'est un trimestriel. Bon, il y a des trucs de Noël à broder, à crocheter, tout ça. Il y a des petits DIY. Mais bon, tant pis, il y a des trucs de Noël. Mais moi, je l'ai acheté un peu en retard. Parce que ça date de novembre. Et je l'ai acheté fin novembre, début décembre, je crois. Bon, voilà. Mais c'est pas grave. Donc, je vous ferai une revue détaillée sur cette revue. Et si j'ai celle du tricot, si celle du tricot est sortie, ben je vous ferai une revue avec celle-là. Et ici, alors là je vous raconte, c'est avant-hier, ou encore avant-hier, enfin bon, il y a 2-3 jours. J'ai commandé les deux dernières revues anglaises de broderie. J'étais un peu déçue parce que je n'ai pas su avoir la troisième, donc celle encore avant. Et c'était vraiment dommage parce que il y avait le calendrier. Il y avait un calendrier avec plein de modèles de broderie dedans, mais il était en rupture. Donc, voilà, celui-là, je n'ai pas pu l'avoir. Et donc, je passe ma commande. Je sais plus, peut-être mercredi soir ou jeudi. Jeudi soir. Non, mercredi soir. Je passe ma commande mercredi soir. Et jeudi, le facteur passe, je vais à ma boîte aux lettres. Et je vois donc une pochette noire. Je dis, tiens. Je dis pas. Ah non, ou alors c'est mardi, j'ai commandé. Enfin bon, soit un jour près. J'ai purée, ils ont été vite. Je reçois déjà mes livres anglais. Et j'ai dit là, ils ont fait fort. Mais non, ils n'ont pas fait fort. J'ai reçu celui-là que j'ai commandé il y a 3 mois. du coup, j'y pensais même plus. Franchement, j'y pensais plus. Et là, je dis, bah mince. 3 mois après, tiens, me voilà, j'arrive chez toi. Tant mieux. Parce que je n'y pensais vraiment plus, au point que je n'ai même pas pensé à leur envoyer un message ou à dire, bah, il faut me rembourser ou remettre l'argent sur une autre vue. J'ai même pas pensé à ça, rien. Ça m'étonne de moi d'ailleurs. Et là, je l'ai reçu, donc je vous dis jeudi ou vendredi. Jeudi, je crois. Et ça m'étonnait aussi. J'y ferais, je ne sais pas, en 24 heures ou 48 heures que je pouvais recevoir mes revues. Là, ça aurait été vraiment tip-top. Donc, j'ai celle-là. Voilà. Bon, là, c'est la pochette. Hein. Je ne vous en montre pas plus. Je vous fais une revue détaillée cette semaine sur celle-là. Elle est encore en vente hein, parce que sur le site où je les achète, tout ce qui est en dessous de 6 mois, il n'y est plus sur le site. Mais après, vous pouvez retrouver toutes les revues via un paiement, bien sûr, hein. Mais directement sur internet, sur leur site internet, voilà. Mais là, vous pouvez retrouver toutes les revues d'avant, mais par contre, vous n'avez pas les cadeaux, c'est normal. Et donc, vous payez moins cher. Voilà, bah, donc je vous ferai une revue détaillée de celui-là, il y a des jolies choses. Il y a des jolies choses, il y a des jolis cadeaux. Et bon, il y a un Père Noël à broder, mais lui, il me plaît pas trop. Bon. Et de toute façon, je suis pas une accro des broderies de Noël, des DP de Noël. Voilà, ça, je suis pas accro pour deux raisons. Parce
parce que je vous l'avais dit, hein, bon, les fêtes de Noël, bah, vivement que ça passe, et Nouvel An aussi. Et aussi, c'est que une broderie de Noël ou un dépé de Noël, vous n'allez pas le laisser toute l'année sur votre mur. Donc, si c'est pour broder un truc et puis le sortir pendant 3 semaines, 1 mois, et après le laisser 11 mois dans un tiroir, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est pour ça que là, je ne brode que le sale de Duren Jones, mais je ne brode rien d'autre sur le thème de Noël. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mes 2 achats. Maintenant, alors, on va sur le groupe, mais je vais vous faire une vidéo détaillée, hein. C'est parce que je vais vous en parler des grandes lignes. Alors, j'ai encore de la batterie, oui. J'organise plusieurs choses. Donc, il va y avoir le CAL de la couverture météo qui recommence donc le 1er janvier, donc au tricot ou au crochet, hein, c'est au choix. Il y a le SAL du Nouvel An. Il est tard. le SAL du Nouvel An, donc là, on fait une broderie sur le thème de l'automne ou de l'hiver, mais il est obligatoire de poser ses premières croix le 1er janvier. Voilà. Je donne une étape par mois. Et ensuite, il va y avoir... Alors, est-ce que j'ai la photo là? C'est parce que je voudrais vous montrer les photos en même temps. La maison météo, hein, elle continue. Mais là, du coup, on va broder. Si on n'a pas fini la maison, on va la continuer, tout en brodant nos couleurs de température dans les fenêtres. Voilà. Ensuite, où est-ce que j'ai mis ça? Oui, ben voilà. Il va y avoir un SAL qui commence aussi le 1er janvier avec une étape par mois sur l'année. Donc, il y aura 12 étapes pour broder une de mes broderies personnelles que j'ai dessinées. Voilà. Donc, ce sera celle-ci, peinture de brodeuse. Donc, ça commence le 1er janvier également. Mais bon, on n'est pas obligé de broder le 1er janvier, celle-là. Elle commence en janvier. Donc, c'est un monochrome, mais on pourra le broder comme on veut. Voilà. Donc, celle-là, elle commence en janvier. Ensuite... Alors, ça, je l'organise, mais je sais qu'il y en a déjà une qui est en cours, en route. Il y a déjà... c'est qui l'organise? Ah, mince. Mais elle a commencé déjà il y a plusieurs mois. Val Beauty, je crois. Val Beauty... oh, je sais plus. Pardonne-moi, je n'ai plus la fin de ton pseudo. D'ailleurs elle est sur mon groupe. On va broder, alors pareil, mais là on va le faire en décalé, on va le faire à partir de février pour pas commencer toutes les broderies le même mois. Là il n'y aura pas d'étape réelle. On va faire en 1000 points par mois, voilà, et on commencera où on veut, comme on veut. Donc, ça va être celle-ci. Alors, il y a 2 modèles possibles. Voilà, vous la connaissez peut-être. Ça vient de chez All Forest également. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc celle-là, c'est la multicolore. Et sinon, on l'a en 3 couleurs. Voilà. Donc, pareil, on pourra choisir celle qu'on veut, la 3 couleurs ou la multicolore. Et après, on fera donc 1000 croix par mois, tout simplement, voilà, jusque... Donc, comme ça commence en février, ce sera jusqu'en janvier l'année prochaine. Je pense. Peut-être moins, je sais, j'ai pas encore calculé vraiment... avec le nombre de points, mais bon, peut-être que
Ou s'il faut plus longtemps, on brodera sur plus longtemps. Mais là, je n'ai pas calculé vraiment le temps. Mais on commence en février. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je crois que c'est tout pour l'instant. C'est déjà pas mal. J'ai encore un truc qui me trotte en tête. Bon, j'en parlerai le moment venu. Donc, ce sera en broderie, bien sûr. Et ouais, je crois que c'est tout pour l'instant. Je cherche. Non, mais je crois que ce sera tout pour l'instant. Voilà. C'est déjà pas mal. Ah, ben voilà. Vous voyez, pour le sale du nouvel an, voilà, ça, les étapes vont être faites comme ça. Voilà, ce sera des cases. Et alors, il y en a qui ont des. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas. J'ai oublié de le refaire. Je devais lui refaire un tableau qui ont des toiles carrées. Il y en a qui ont des partiels aussi. Bon, c'est vrai que j'ai pas été difficile. Hein. Faites ce que vous voulez, les filles. Je fais un sale, mais bon, le principal, c'est de broder ensemble. Voilà. Donc voilà, mais tout ça, je vais vous en reparler en détail dans la semaine. Tout au moins, tout ça, je vais en parler avant Noël. Et voilà. Alors. Donc, j'ai ma tablette sous les mains. Je me suis fait une note à moi-même, c'est-à-dire de ne pas tricoter, de ne pas avoir son tricot à côté de soi pendant qu'on mange une glace. Parce que le chocolat tombe sur la pelote. Et alors j'ai essayé de laver au maximum sur le dessus, j'ai pas trempé la pelote, hein, bien sûr. Mais elle reste tachée. Donc quand je vais arriver à cette hauteur-là, ben, je couperai le fil et puis voilà, c'est de ma faute. Bon, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Enfin, ce qui m'embête, c'est parce que c'est le avec la. Ah, le fil du pull à chouchou, c'est ça qui m'embête le plus. Bon, voilà. Et alors, je vais vous faire rire un petit peu. J'ai des nouveaux fans sur la chaîne. J'ai une de mon groupe qui m'a montré ça hier. Alors, je vous montre. Il y a un chat qui aime bien mes vidéos, voilà, mais pas seulement. Voilà, regardez, il cherche après mes mains. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Il attrape mes mains sur la télé. C'est pas Fifi, hein, c'est le chat d'une abonnée. Hein. Donc voilà. Ah, je vous jure. Les chats. Et ici, voilà. Regardez. Regardez. Ah, bah alors. Regardez là. Il attrape carrément mes mains dans la télé. Donc voilà. Allez, maintenant. Alors, je me fais une pause de 2 secondes, le temps d'aller faire mon. Je reviens. Me revoilà. Alors, niveau coloriage. Donc, j'avance toujours le coloriage de Clara Markova du livre Fairy Celebration que je fais avec Minky. Alors, cette semaine, alors moi, j'ai pas fini. Mais c'est pas grave, hein, je vais me rattraper cette semaine. Cette semaine, on s'est dit, on fait la cheminée. Donc, voilà ma cheminée à moi.
Voilà. Donc il me reste les pierres devant et puis tout ce qu'il y a sur la cheminée ici et les feuilles là. Voilà. Les champignons. Donc ça ira assez vite. Voir si j'ai besoin de... Oui, et le sol de la cheminée aussi. Voilà. Ici. Donc ça va aller assez vite hein, à terminer. J'aime bien le faire. J'aime beaucoup le faire. Bon, faut que je me reprenne la main parce que je vous dis, hein, ça fait presque 2 ans que j'ai pas colorié le coloriage comme ça. Mais bon, ça revient. Hein, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Alors, je vous mets la photo de la version à Minky. Elle a terminé sa cheminée. Donc, voilà. Moi, je vais la finir là, peut-être aujourd'hui, dimanche. Je vais peut-être terminer cet après-midi devant la télé, puis faire mon petit gribouillage. Et après, cette semaine, je ne sais pas... qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être les gâteaux. Peut-être bien envie de faire les gâteaux là sur le devant. Ici. Vous voyez. On va peut-être faire ça. Je verrai avec Minky ce qu'elle a envie de faire. Ou les souris ou les cadeaux. Ou, je sais pas. On verra. Donc voilà, niveau coloriage, ben. Ça avance tout doucement. C'est pas une course, hein, on le fait à notre rythme. Et puis, j'aime beaucoup de façon ces coloriages-là. Je vous dis, hein, ce qui était dommage, c'est que j'ai du matériel que j'ai revendu et que je regrette du coup parce que je pensais ne plus jamais colorier. Et puis du coup, je l'ai vendu et voilà. Mais bon, on verra. Si je me remets le nez dedans, mais pas comme avant, hein, bien sûr. Si je me remets le nez dedans, bon, je rachèterai peut-être les petits trucs qui me manquent. Mais bon, on verra bien. Donc, voilà. Alors, maintenant, tricot et crochet. Alors, on va commencer par crochet, c'est-à-dire la couverture météo. Alors, couverture météo, j'ai fait... Bon, elle sera pas finie pour décembre, le 31 décembre. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 jours. Non, qu'est-ce que je dis? Non, tant pour moi. Quatre jours. Ouais, j'ai fait 4 jours, donc... 9, 10, 11 et 12 octobre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai encore beaucoup de retard. Hein. Mais bon. Alors. Hop. Donc, j'ai mis mon petit marqueur. Voilà ce que j'ai fait ici. Oui, c'est pas grand chose, mais il y a quand même 200 mailles. Hein. Donc, voilà. Donc, en sachant qu'une journée, c'est 2 rangs. Donc, j'ai fait 8 rangs. 8 rangs de 200 mailles. Mais voilà. Là, tout à l'heure, je vais en faire en montant la vidéo. Je vais essayer de la sortir cette semaine à chaque fois que j'ai une vidéo à monter. J'aime bien faire ça pendant que je monte mes vidéos. Voilà. Mais bon. Faut que je rattrape. À chaque fois, je vous le dis, hein, faut que j'essaie de rattraper mon retard. Mais bon, 2 mois de retard, c'est long à rattraper en sachant que je fais 2 rangs sur chaque journée.
Donc, ça me fait plus de 60, 60, 70 ronds à rattraper. Mais bon, on verra. J'ai encore 3 semaines pour rattraper. Ensuite, alors niveau tricot, ça va, j'ai bien travaillé. Ah oui, hop, mets-toi là, toi. Que je prenne ton petit copain. Bon, toi, tu vas sortir, j'aurai plus de place. Voilà. J'ai terminé le dos. Bon, là, il est tout chiffonné. Hein. Voilà. Le dos est terminé. Hop. Voilà. Le dos est terminé. C'est le débardeur à chouchou. Hein. Voilà. Je suis contente. Et j'ai commencé, bien sûr, le devant. Ah, bon, pas beaucoup, hein, mais je l'ai commencé. Ah, oui, c'est vrai, j'avais pas fini ma... J'en ai fait tout à l'heure et puis j'étais occupée, j'ai oublié de terminer mon rang. C'est pas bien ça, parce que ça peut faire des trous. Voilà. Le devant est attaqué. Mais il est attaqué. Hop. Donc, plus la chouchou, ben, j'ai plus que le devant à faire. Il n'y a plus que le devant et après le bord-côte pour le col et le bord-côte pour les emmanchures. Ensuite, j'ai avancé mon pull en laine fil d'art. Alors, voilà, j'en étais là. Bon, j'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai avancé. Voilà. Il va être bien chaud, hein, celui-là. Donc, il est chouette. Non, il va être bien chaud et j'ai eu peur un peu au début, mais non, en fin de compte, ça va. Bon, la couleur est un peu, non, un petit peu fade peut-être, mais bon, ça va. On verra quand il sera fini, hein, ça ira beaucoup mieux. Ces couleurs-là, donc voilà. Donc là, j'ai encore un peu, ouais, un morceau quand même avant d'arriver aux emmanchures. Hein. Mais voilà, ça avance. Alors, ouais, de toute façon, là, ah ben non, je sais pas si j'ai marqué. Non, j'ai pas marqué. Ensuite, alors attendez, je remets le pull de chouchou dedans. Parce que bah, c'est cette pelote là qui a pris du chocolat. Voilà. Vous voyez, c'est resté taché là. J'ai frotté tout de suite hein, pourtant. Mais le chocolat, bah, ça tache. Hein, c'est mortel hein, le chocolat. Donc quand j'arriverai à cette hauteur là, bah, on coupera. Et puis, j'ai pas le choix. J'enverrai ce qui est taché et puis je referai un nœud avec ma pelote. Je n'ai pas le choix. Ensuite, alors, je vais poser ça. Mon pull camionneur. Alors lui, il avance bien. Bah, c'est des grosses aiguilles. Hein. C'est du 6,5. Donc, ça avance. Ah, j'ai un autre catalogue que je vous ai pas montré. Ah, mais ça y est. Quand je ferai la revue. La revue, ben, la revue tri-crochet, je vous montrerai. Alors, comment il a bien avancé celui-là. Alors, où j'en étais à lui? Il est où le...
Ah non, c'est ouais, c'est dans ce sens-là. Là, j'ai du mal parce que là, c'est du jersey en vert. Et du coup, j'ai toujours du mal à montrer que c'est ça qui est. Ça, c'est ça l'endroit. Alors, depuis l'autre jour, voilà ce que j'ai fait. Tout ça. Là, j'arrive. Alors, j'ai encore. Une augmentation sur 8 rangs à faire et ensuite j'attaque les épaules, les diminutions des épaules. Voilà. Alors j'espère qu'il va pas être trop court. J'espère. Bon là je peux plus l'agrandir ni rien hein, de toute façon, mais j'espère qu'il va pas être trop court parce que sur la photo. Je le trouve un petit peu court, mais bon, moi c'est une grande taille, donc peut-être que ça ira. Donc, voilà tout ce qui a été fait déjà pour le dos. Donc lui, le dos devrait se terminer bientôt, hein. Dès que j'ai fini ma dernière augmentation, une fois que je suis sur les épaules, bah, c'est fini, hein. Voilà. Donc là, j'ai refait une troisième pelote. Alors cette laine-là, j'aime bien quand vous devez raccrocher une pelote au bout, voilà, quand vous faites une nouvelle pelote. C'est que le fil se feutre très bien. Donc je mets de l'eau dans mes mains. Je prends les deux bouts de fil que j'écarte un peu avant. J'ai mis l'un sur l'autre. Je les mouille. Et puis, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, comme ça. Et ça fait que les deux fils se soudent entre eux. Pas besoin de faire de nœuds, rien, c'est nickel. Vous avez fini une pelote que vous êtes en train de commencer la deuxième et vous le voyez même pas. Donc ça, j'aime bien ça, quand ça fait ça. Voilà. Chouette. J'espère que ça m'ira au niveau couleur. Bon, oui. Donc j'espère la semaine prochaine celui-là vous montrer que j'ai terminé le dos. Bon après ce sera un petit peu plus, enfin, que je fais un petit peu plus attention parce qu'il va y avoir le dessin du plastron. Donc pas me tromper dans mes points. Mais ça va. Ça devrait le faire. Alors, je voulais me faire un bandeau cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de me faire un bandeau. On verra. Parce que j'aime bien les bandeaux. J'aime pas les bonnets. Ça me va pas, les bonnets. J'ai une. Désolée pour l'expression, mais j'ai une tête de cul avec un bonnet. C'est. Ça me va pas du tout. Donc, moi, les bandeaux, oui. Ça me va. Pas les bonnets. Pourtant, je m'en suis déjà tricoté, hein, des bonnets. Ils sont même en haut, mais je les mets jamais, ça me va pas. Je vous jure, vous avez déjà vu Calimero? Pareil, avec sa coquille d'œuf là sur la tête, ça me fait ça. Alors, semaine prochaine. Alors, j'ai pas fait ma feuille, donc on va la faire ensemble. Sinon, je crois que je vous ai tout montré, hein. Ouais. Je vous montrerai du coup le catalogue que j'ai acheté. Ah, voilà. En faisant la revue. Alors, cette semaine, alors je vais marquer par rapport à des jours, mais. Les jours, je m'y tiens pas toujours. Hein. Des fois, ce que je marque le lundi, je le fais le mercredi. Voilà. Donc, le principal, c'est de marquer ce que je veux faire. Donc, la broderie carotte. Voilà. Bah, du coup,
le solde du Red Jones, hein, le corrigé. Il y a un vent. On entend souffler le vent du Red Jones. Le sale calendrier de l'Avent, bien sûr. Voilà. Le sale mystère de Sabine. J'en suis toujours à la deuxième partie, hein, donc il faudrait quand même que je m'active, parce que là, ils sont à la quatrième. De toute façon, j'ai toujours du retard, moi. Ma broderie fleur, bien sûr. Je fais avec Céline. Ensuite, mon dragon book. Donc, le dragon book. Ma grenouille. Ensuite, je sais plus. Ensuite, je ne sais plus. Aidez-moi, au secours. J'en sais plus. Ah, je ne sais plus les broderies que je dois faire. Ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est la météo. Ça, c'est ma grenouille. Bah mince alors. Ça. Dragon Jones. Ça, c'est le Dragon Book. Ah bah alors, je cherche une broderie, je la trouve pas. Ça, c'est le sale mystère. Ça, c'est le calendrier de l'Avent, la carotte. Et ça, c'est... Ah, Julia. Le sale de Julia. Voilà. Ensuite, je voudrais bien la fleur, je l'ai marquée. Hein, oui, la fleur, je l'ai marquée. Et je voudrais faire donc le dimanche, ça, je vais faire la broderie estampée. Voilà, ça c'est bon. Et le cheval. Il va y avoir le DP plus, je vais essayer de faire un sapin quand même, hein. Niveau broderie, j'ai d'autres broderies à faire. Ah, j'ai le toast à l'œuf, voilà, la broderie toast à l'œuf à faire. Toast. Ah ben, je sais même plus écrire toast. Oh là là. Voilà, puis bon, je verrai. Et bien sûr, les tricots, ça change pas. Hein. Tricot, c'est le débardeur. Euh,
mon camionneur et le pull fil d'art. Voilà. Si j'arrive à caser entre deux, ben un bandeau, je ferai un bandeau et bien sûr la couverture. Voilà, la couverture. Et je vais remarquer chaussettes. Faut que je persiste. J'essaye, hein, mais chaussettes, ça m'emballe vraiment pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 broderies. 11 broderies, le DP et les tricots. C'est déjà pas mal hein, pour cette semaine. De toute façon, normalement, cette semaine, c'est bon. Je crois que j'ai pas de rendez-vous. Il y a un rendez-vous téléphonique encore avec l'administration. Mais sinon, j'ai que ça. Et puis, ça va vite. Mais je les envoie vite balader. Donc voilà. Je verrai si je me case un petit truc en plus ou pas. Parce que j'ai pas mis... Ah oui, j'ai oublié. Si, ben voilà, j'ai oublié. Ma broderie météo. Mes deux broderies météo. Donc, celle de jardin privé. Et la maison météo. Voilà. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Voilà. Bah, écoutez, ce sera déjà pas mal tout ça. Bah, je crois vous avoir tout montré pour aujourd'hui. Oui. Donc n'oubliez pas aujourd'hui d'aller voir surtout le calendrier de l'Avent. J'en dis pas plus. Cette semaine, je vous ferai une vidéo sur les box de Sabine. Vous aurez la vidéo normalement le 12 mardi. Mardi ou le, je sais plus. On est quoi? Enfin, je crois que c'est le 12. Je vais vous faire la vidéo sur les revues. Voilà. Sur la revue anglaise. Bon, je pense pas que j'aurai reçu les autres hein, entre deux, mais c'est rien, ça vous refera une vidéo par la suite. Je vais vous faire une vidéo du coup sur la broderie estampée, là, celle qui est toute en bloc. Voilà. Et puis après, on verra. J'ai une longue liste hein, de vidéos à vous faire, hein, je vous l'avais dit, mais j'ai pas encore. J'ai pas encore tout fait. Stabiliser, c'est fait. Ça, je peux la barrer. Je vous l'ai faite. Voilà. Et il faut que je vous fasse les vidéos explicatives pour les nouveaux salles, cales, etc. Voilà. Et pour le cale pour la couverture météo. Ça c'est fait. Je dois vous faire une vidéo pour les DP de chouchou. Ça, je vous l'avais dit. Ah oui, et cette semaine, on va essayer de ranger la tricothèque. Donc, on rangera ça ensemble en vidéo. Voilà. Ouais, j'ai déjà pas mal de vidéos à vous faire et j'ai encore pas mal de choses à faire aussi à côté. Donc, un petit peu à la fois. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas. Des questions à poser, n'hésitez pas. Des suggestions aussi, hein, n'hésitez pas non plus. Hein. Je suis toujours preneuse hein, de suggestions. Mais en attendant, moi, je vais vous faire maintenant plein de gros bisous et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.